Alors petite info rapide là le que Claire m'a donné euh, que le développeur euh, de l'app euh, Vite mes droits vient lui donner je savais pas en fait mais on m'en avait parlé à vrai dire Jean Noël qui est notre lobbyiste m'en avait parlé mais ça m'était complètement sorti de la tête. Il y avait euh, il y a une application qui s'appelle nos lois. Vous allez sur l'Apple Store, je pense que c'est pareil sur, euh, sur les Android, euh, vous allez sur nos lois et vous allez voir, en fait, vous pouvez voter pour un texte, euh, vous votez pour ou contre un texte, et les parlementaires qui sont sur la plateforme ont effectivement, il y en a généralement 60% des parlementaires qui sont sur la plateforme, ont en temps réel euh, la tendance de l'opinion, et plus encore que la tendance de l'opinion, ils ont bah, le vote citoyen, c'est une démocratie euh, participative en fait. Et donc, ce serait vachement intéressant que tout le monde télécharge l'app et que tout le monde vote contre le projet de passe vaccinale, que vous fassiez passer ça euh, à vos potes, à vos familles, et qu'on puisse être ultra-majoritaire, à être à 80% non. Je suis allé voir là un peu la tendance, il n'y a pas beaucoup de monde encore qui a voté, mais majoritairement, le non l'emporte. Donc, vous allez sur nos lois, c'est une info super importante, euh, c'est une forme de démocratie participative, parce que si on est euh, 1 million, 2 millions... Euh, à voter et qu'on est à 80% non, et que ce texte est quand même voté, ce qui est évidemment euh, non seulement envisageable, mais c'est ce qui va se passer. Ça a quand même un vrai, vrai, vrai souci euh, en termes de démocratie, et on pourra commencer à en parler, et en parler vraiment. Pour le coup, on n'est plus sur des sondages d'opinion, mais là, chaque citoyen peut effectivement exprimer le vote sur ce texte, et le parlementaire, bah, du coup, qui n'est que le représentant, si euh, à un moment donné. Euh, il fait, il n'en fait qu'à sa tête. Bah, il y a, y a un truc qui s'appelle les élections. Enfin, quand on en parle, quand même. Donc voilà, c'est une option qu'il faut considérer. C'est urgent, faites-le.